Hey les gens, c'est Drake Survie. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Pokémon, la dernière de l'année, donc 2022. Donc j'espère que vous passerez de bonnes fêtes. Moi je vous souhaite un joyeux Noël et une bonne fin d'année, parce que clairement je tournerai pas avant un bon moment là pour les fêtes là, donc jusqu'au minimum, jusqu'au 5. Normalement, il n'y aura pas de vidéo, vous aurez un calme plat de la chaîne. Bon, on va dire que chez moi, c'est plutôt calme plat depuis un moment, mais on va dire que vu que je suis obligé de chercher du travail, je suis obligé de faire comme ça. Donc, normalement, l'année prochaine, on va reprendre de bon pied, on va essayer de faire 2-3 trucs plutôt sympas. On va faire du Pokémon, on va retourner sur The Witcher. Alors... moi, vu que je l'ai déjà fait au moins une bonne fois, une bonne dizaine de fois The Witcher, je pense pas que je vous ferai un speech de la A à Z. Hein. On sait tous un minimum comment finit Ciri pour ceux qui ont joué à The Witcher. On sait tous comment, comment on est obligé de choisir entre Yen et Triss pour certains. Alors, c'est vrai, on va dire, ouais, de toute façon, c'est vrai qu'on a tous une différence, c'est que certains choisissent de faire juste la mission principale, et d'autres, comme moi, j'aime bien faire les missions secondaires pour XP, pour level, et c'est vrai que bah, là, avec l'extension, surtout que moi, je les ai toujours fait deux fois, donc une partie normale où c'est, et une seconde où je refais une partie plus, pour avoir toujours mes armes, mais avec pour avoir un gain de niveau. Sauf que bon, qui est un peu dommage, c'est qu'à un moment donné, quand on arrive niveau 100, les bots sont niveau 100, 105, 106, ça dépend des bots, et c'est toujours un peu plus compliqué, dont les bots des extensions, qui est surtout le bot extension numéro 2, où vous allez à Toussaint et vous battez un vampire. Le vampire est complètement pété, donc c'est vrai que si vous êtes en normal, même en difficile, le vampire est complètement difficile. Bah moi j'ai jamais réussi à l'avoir en difficile, mais je suis obligé de descendre en facile pour le battre. Donc on verra si je refais une partie, vous me direz en commentaire si vous voulez que je fais du The Witcher ou pas. Au 300, il y aura toujours du Pokémon. Là, on va parler des petites mises au point qu'il y a eu pour Pokémon, que ce soit Pokémon violet ou orange, cerise ou orange. Puis Fortnite. On va rester sur du Fortnite pour un bon moment, vu que là, en plus de ça, il va y avoir les skins The Witcher qui vont sortir. Je pense que une fois que Geralt de Rive sur Fortnite sera sorti, je pense qu'on va avoir le droit soit à Ciri, à Yen, à Triss, voire peut-être, je ne dis pas, mais ça serait pas mal d'avoir le vieux, comment il s'appelle, c'est Vizimir. Ça serait pas mal d'avoir Vizimir en tant que personnage. C'est vrai que... le vieux de la vieille en tant que sorceleur, donc ça serait pas mal d'avoir un sorceleur autre que Geralt de Rive pour jouer. Donc n'hésitez pas à vous abonner, à partager et à mettre la cloche, à laisser le petit commentaire, ça me fera toujours plaisir. Et on va lancer sur Pokémon violet, donc on va déjà voir les petites choses qu'il y a eu en mise à jour. Donc piste 1 Pokémon, donc comme vous le voyez, je suis sur les informations Pokémon, donc comme tout le monde là, normalement si vous n'êtes pas trop bête ou quoi que ce soit, normalement vous les avez. Donc vous avez normalement, pour ceux qui jouent souvent et qui l'ont eu, normalement vous avez les 4 oiseaux qui sont arrivés normalement sur Pokémon et qui sont en raid, donc on va cliquer dessus. Mais normalement, pour ceux qui sont assez d'actualité, normalement, vous avez du 25 décembre, 4 oiseaux à 23h, machin, donc comme vous l'avez vu. Et il s'arrête. Alors, attendez que j'ai la borne.
Alors donc, il commence le 23 décembre et il finit. Date de l'événement, ok. Pokémon présent, donc de 5 à 7, de 1 à 5 étoiles. Donc bon, ils avaient dit qu'apparemment il y aurait des trucs qui seraient plus rares, mais il n'y a rien de particulier, c'est juste le cas d'oiseau. C'est vrai que si vous voulez un niveau avec un 5 étoiles, vous avez un niveau 75 en tant que cas d'oiseau. Donc c'est vrai que ben, si vous voulez un cas d'oiseau d'une particularité différente, c'est vrai que ça peut être utile, j'ai envie de dire. Donc voilà, vous avez des cadeaux, un cadeau. Donc le code, alors le code est différent à chaque personne. Donc il faut aller sur votre Switch, aller sur le truc d'événement, donc en appuyant sur le petit plus hein, quand vous êtes sur votre téléphone, sur le truc de votre inventaire. Et vous avez donc le code. Bon, moi je l'ai récupéré, donc ça sert à rien d'essayer de choper mon code. Je l'ai déjà récupéré, donc c'est pour ça que je vous le montre. Donc le code est en bleu, juste ici. Donc il est voilà du 26 décembre. Donc je vous invite à récupérer. Bon, c'est que des éclats de glace, mais au moins ça fait des éclats de glace. Donc on aura aussi notre cher Pyrobut qui va arriver, hein, notre cher Pyrobut. Donc je vous invite à aller voir. Voilà les dates de sortie. Donc à partir de 2022, le vendredi 30 2022, donc à minuit au dimanche 1er, il sera disponible. Donc à partir à partir de 23 h. Voilà, vous avez les dates de sortie de chaque machin. Donc si vous voulez aller le choper, bah, allez-y, parce que sinon bah, vous ne pourrez plus l'avoir à partir du janvier 2015, janvier 2023 à partir du 15. Donc vous serez plus voilà, n'est plus normal. Pyrobut n'est pas normalement pas présent dans Plata, et celui qui apparaîtra lors de l'événement posera un type. Voilà, il sera de type combat avec un instinct surpuissant, donc un peu comme Dracaufeu. Donc il y a pas mal de personnes qui font déjà des vidéos sur TikTok ou quoi que ce soit. Je pense que c'est plutôt utile. Donc date de l'événement, donc du 23, vendredi 30, voilà, vous avez les heures. Heure française et puis UTH, je sais pas ce que c'est. Je pense que ça doit être les heures. Au 300 à partir du 30, vous pourrez le récupérer. Donc 30, 1er, le 13 et du. Ah d'accord, c'est des dates de. Ok, d'accord. Donc il sera disponible du 1er, du 30 au 1er. Hein? Oh. Là c'est bien marqué, là c'est du marqué du 13 au dimanche. Ah, il sera juste une journée. C'est un peu con, hein, non? Ou c'est moi qui comprends mal le truc là? 2023 à partir de 1 au janvier. Là encore du 13 au 15, là je comprends, mais au-dessus du 30 au 1er. Bon, on verra bien. Donc là, vous avez les sessions, les saisons, la saison qui commence des classements des combats. Je verrai si j'en ferai aussi, et puis ben après, là c'est les règlements et puis les machins. Donc vous avez juste à aller sur votre téléphone dans les trucs de Terra, et en fait c'est les notifications. Vous avez juste à cliquer sur plus, et vous aurez l'opportunité de faire ceci. Donc on va se faire, premièrement, pour ceux et celles qui jouent à Pokémon. Alors je. Voilà. Pour ceux qui seraient intéressés par deux Pokémon ou un Pokémon, ça dépend duquel, vu que moi je suis en version cerise, il me manque deux Pokémon.
Alors je sais, on va me dire, ouais, mais alors ça sert à rien parce que tu vas dans ta famille. Oui, alors je vais dans ma famille, sauf qu'il me manque. Pour échanger Omar Carr et Black Glaçon pour avoir les autres Pokémon qui sont. Je vais vous montrer ça tout de suite. Alors bien sûr, je les échange avec les mêmes Pokémon, hein. Ça sera pas la peine de me dire ah mais non j'ai besoin de celui-là ou quoi que ce soit. Non, ça sera celui-là, ça sera celui avec celui-là et donc Black Glaçon avec. Donc on va vous donner, je vais vous montrer ce qui me manque. Donc Black Glaçon avec Dolomane, donc notre chère montagne des cher Pokémon épée et bouclier et lui avec Bagglaçon et Quamarcark avec Gouromantan qui est normalement dans les raids mais j'arrive pas à l'avoir donc c'est pour ça j'essaie de les échanger donc bien sûr ça sera des Pokémon qui c'est des Pokémon en tant que œuf donc c'est des Pokémon qui ont été œufés donc si après, si vous voulez que je fasse des œufs ou quoi que ce soit et que vous voulez les avoir à votre nom, ça peut toujours être possible. Vous les récupérez, vous faites avec un métamorphe et vous les faites en œufs pour les avoir sous votre nom, quoi. Sur les Pokémon, moi c'est souvent ça pour éviter qu'il y ait un souci ou quoi que ce soit. Alors bien sûr, il y a certains Pokémon comme les Pokémon légendaires ou les Pokémon qui sont de type pas ici les Pokémon qui sont comme Rigilune ou Flomash et tout ça sont clairement impossibles à faire des œufs parce que par exemple moi ils viennent de mon frère donc je peux pas faire autrement donc voilà. Donc on va aller faire un petit raid et si on a le temps on ira faire un combat non classé parce que pour le moment j'essaie de m'entraîner parce c'est pas une critique mais on tombe sur beaucoup de japonais sur les combats de stade de combat donc je trouve que ça fait beaucoup de plus japonais hier j'ai essayé et ça fait je suis tombé sur 3-4 japonais donc voilà on voit les 4 oiseaux qui sont là donc après vous avez les autres Pokémon donc là il y a 2 4 5 étoiles donc on va faire celui-là en 5 étoiles par contre non, c'était pas celui-là, c'est combat, je crois. Non, combat, c'est le point. Ça, c'est. C'est Gozo. Ah non, c'est Spectre, je crois, ça. Donc, après, pour ceux qui seraient intéressés, vous me le dites. Vous pourrez me le dire en commentaire. Alors, bien sûr, pas de combat ou quoi que ce soit. Hein. Bien sûr, si vous voulez me faire des combats, ça sera plus tard. Moi j'ai surtout envie d'avoir mon Pokédex rempli parce que c'est chiant de juste d'avoir 2 Pokémon à remplir et c'est con. Et même si c'est des Pokémon qui viennent... je peux pas rejoindre. On va faire aléatoire, ça sera plus sympa. Même si c'est des personnes qui sont dans la version différente, la même que la mienne. Je vous invite à me le dire et on fera spectre feu insecte spectre feu insecte J'ai envie d'utiliser Pomarmotte pour tester parce que vu qu'il est feu insecte je vais
Merde, celui-là, il a fermeté. À part s'il a perdu sa capacité feu, mais normalement, il est feu, feu, insecte et spectre. Ah ouais, mais... Ah ouais, mais non. Con, ouais. Je suis en train de remarquer, oui, il est spectre, donc ça sert à rien que je vienne prendre de celui-là, moi. Les capacités sol, sol et roche, je crois bien que ça marche pas sur lui. C'est un peu chiant ça. Mais bon, on va voir. Comme toujours, je reviendrai toujours à la même chose, le système d'enlever les stats de pouvoir avoir un bouclier, d'avoir le temps, d'avoir machin, je trouve que c'est trop. Moi je pense qu'il devrait soit enlever le bouclier et durcir un minimum le Pokémon. Voilà, il est déjà compliqué à un certain niveau. Terra cristallisé, donc bah, à un niveau donc c'est vrai que c'est un peu chiant, mais le pire dans tout ça c'est que le temps, quand on meurt en plus de ça, le temps c'est très très chiant. Moi je pense qu'il devrait enlever certaines choses sur ces règles là, parce que on n'avait pas de, autant de choses sur déjà qu'on est souvent bugué. Le reste du jeu est plutôt sympa et machin. C'est pas trop bien. Quand on fait des règles, c'est ouf comment c'est bugué. C'est même pas on essaye de réussir ou quoi que ce soit là, c'est efficace mais sans être efficace, c'est affligeant en fait. C'est affligeant de voir un jeu, parce que c'est quand même le jeu Pokémon le plus vendu de toute sa génération. Quand il est sorti, dans les 3 jeux qui sortaient, il y a plus de 1 million d'exemplaires vendus. Regarde, ce que j'avais trouvé, mais plus d'un million d'exemplaires vendus, c'était quand même pas mal d'exemplaires. Oh.
début. J'ai même pas... Moi je dis que ça soit pour n'importe quel Pokémon. À partir du Pokémon, que ça soit 4 étoiles, répète-moi que ça va. Parce que le bouclier n'a peut-être pas le temps de se mettre quoi que ce soit. 3, 4 étoiles, ça va. À partir de 5, 6, 7, c'est plus possible. On n'a plus le temps, on a le bouclier ou quoi que ce soit. Donc c'est soit ils abaissent le bouclier, parce que clairement le bouclier est une chose énorme. Donc c'est vrai que c'est un peu emmerdant pour les joueurs qui cherchent à avoir le Pokémon, qui n'arrivent pas à l'avoir ou quoi que ce soit. Moi, de tous les Pokémon, la plupart de la version orange, hein, il y a certains Pokémon, je les ai eus grâce au raid. Et je sais que Goroutan, qui est normalement dans les raids, je n'arrive pas à le trouver parce que les gens ne le trouvent pas non plus. Ou pas au bon moment pour l'avoir. Mais voilà, c'est dommage. C'est dommage que ce soit comme ça. C'est dommage que ça soit comme ça. Donc on va cette fois-ci faire un petit raid. Pas un raid, un stade de combat. Donc ça se présente comme ça pour les personnes qui ne le savent pas. Donc combat amico. Pour le moment, je m'entraîne, moi, c'est surtout les combats amicaux, parce qu'il y en a certains, je me pose la question s'ils n'ont pas des versions bien craquées ou quoi que ce soit. Donc, on recherche l'adversaire. Je garde toujours mon équipe, hein, c'est pas pour... voilà. Ça fait 3-4 fois que je lance les machins et je me retrouve contre. Ok, alors nous avons. Donc c'est une version. C'est la version orange. Karma. Puis ça s'apparaît, si vous voulez faire des combats comme ça contre moi, faudra me le dire. Je créerai un genre de petit... comment dire... Un genre de code, et pour ceux qui voudraient participer à faire des combats contre moi ou quoi que ce soit, je vous l'enverrai, mais que aux personnes qui me diront voilà, est-ce qu'on peut faire un jeu. Et à partir de là, je vous l'enverrai par message privé. Comme ça, il n'y aura que vous qui pourrez combattre contre moi. Comme ça, on sera tranquille. On est quoi à 70 qui se pointe au moment pour pas le combat. Et à voir, peut-être faire ça en live ou en vidéo. Ça m'intéresse. Pareil. Moi, ça m'intéresserait pas trop mal.
Oh mon gros dieu. Alors, pour moi, les combats comme ça, je n'utilise pas. Je n'utilise pas le Red Crystal. J'utilise pas le truc de cristallisation. Parce que ça me sert strictement à rien. Pour la plupart, parce que là, il va me faire chier. Mais... Et là c'est bien parce qu'on est, on peut pas se guérir, donc c'est des combats qui sont plutôt sympas. Donc ouais, j'ai envie de dire c'est plutôt cool. Genre il est plus rapide. Non, hop. C'est une de merde hein. Genre il est plus rapide cette merde là. Ah, mais faut pas 15 jours pour choisir une attaque. Oh, il fait que ça, le gars. Là, t'es pas avantagé. Oh, bah oui. Bizarre, hein. Ils sont tous. Ils ont tous un système de guérison, ces trucs-là. Déjà hier, je me suis retrouvé contre des personnes. C'est quoi cette connerie là? Alors c'est super efficace mais ça l'enlève pas de télé. C'est quoi cette connerie là? Famigator, mon dernier Pokémon, j'ai aucune chance. C'est plus rapide. Là, je risque de le mettre KO parce que mon Famigator au niveau des flammes, voilà. À part si il change le Pokémon, hein, de toute façon, je pense qu'il fera ça. Mais. J'aime bien ces combats là, ça montre bien que les joueurs sont plus. Parce que bon, c'est vrai que. Mais bon, ceux qui ont des shiny comme ça, on sait que pour la plupart,
Ça, c'est des Pokémon pétés, ça. Des Pokémon, soit c'est des Pokémon d'Autriche, surtout les Japonais, hein, je suis désolé, hein, faut le dire. Mais quand j'ai reçu un Azumarill qui était du Japon, je suis désolé, mais pour moi, le Pokémon. Le Pokémon, pour moi, il est pété à un niveau où l'Azumarill, les raids cristallisés, pour certains, j'arrive à gérer un minimum. Et là, clairement, quand vous tombez sur un Shiny de type dragon comme ça, c'est impossible, c'est fini. Donc voilà. Bon, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Moi, je vais vous laisser là. Je vous souhaite un joyeux Noël, un bon nouvel an, un bon 1er mai, un bon 1er janvier. Je pense que pas mal de personnes vont être en famille et j'espère que ça va être le cas pour beaucoup. Parce que je sais qu'il y en a certains, entre les youtubeurs, les streamers et les machins, préfèrent faire leurs vidéos ou quoi que ce soit. Je préfère être en famille, moi, mais voilà. Donc, à l'année prochaine, on se dit, allez, on va se donner une pépite entre le 5 et le 10 janvier, et on se dit, peace.